riche et rebelle qui fascine l'Amérique. Voilà, 100% Max, ce sera juste après un dîner presque parfait. Je compte sur vous, à tout de suite. Bonsoir à tous, les bienfaits des fruits exotiques, des solutions pour tout camoufler en déco, des mauvais conducteurs et une enquête sur un gang d'adolescents cambrioleurs de maisons de stars. C'est tout de suite et c'est dans 100% Mag. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de 100% Mag. Et comme chaque jour, voici pour commencer les informations incroyables et indispensables de Jean-Philippe Doux. Enfin, informations... Essentielles, essentielles. Bonsoir, rouge soit appliqué parfaitement sur la bouche avant été de sans calmement être rattrapé et regagner la ménagerie. C'est joli comme histoire. C'est une belle histoire, Jean-Philippe. On nous parle beaucoup. Je suis là. Regardez. C'est en Grande-Bretagne. Le tibia. Voilà. Hein, c'est... Qui a gagné ? Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ça sur 100 millions de personnes ont un handicap reconnu. C'est un exercice intellectuel qu'elles aident. Eh bien, heureusement, il y a cette console. Alors, exactement, de lire et écrire pour jouer, comme il le dit. 12 lettres. Voilà. J'appuie. Parler. Occasionnel. J'ai un doute. Ah. Mais irrégulier au pluriel, c'est pas du tout occasionnel. Ah, vous regardez la réponse en plus. Non mais la honte. Occasionnel. Parler. Occasionnel. J'ai un doute. À l'infinitif, mot de 5 lettres. Accident. Ah ben non, 5 lettres. Parler. Bien, voilà. Jean-Philippe, bravo. Très bien. On a merci. La console en un an parce que il y a la console et un abonnement tous les deux. En ce moment, eh bien, je vous propose de mettre un petit peu de soleil dans vos assiettes grâce aux fruits exotiques. Vous connaissez bien sûr la mangue, enfin j'espère, l'ananas et la banane, mais il existe plein d'autres variétés tout aussi vitaminées et qui connaissent un vrai succès actuellement. Explication Élise Darblay. Pourquoi l'Amérique est-elle fascinée par les cambriolages de ces ados à la jeunesse dorée? Que risquent ces mini malfaiteurs et surtout, comment ont-ils fait pour entrer dans les maisons des stars? Et Marotta et Sylvain Pack ont mené l'enquête. Et on va parler déco maintenant dans 100% Mag. Nous avons tous chez nous des radiateurs, un chauffe-eau ou encore des fils électriques qui se baladent partout. Évidemment, nous sommes tous d'accord, c'est très moche, mais heureusement, eh bien, vous allez voir qu'il existe désormais des solutions astucieuses pour camoufler et surtout embellir tous ces objets disgracieux. Reportage d'Hubert Saint-Bert. L'une est angoissée dès qu'elle prend le volant, tandis que l'autre passe son permis pour la... 10e fois, à tout de suite. De retour sur le plateau de 100% Mag avec des Français qui conduisent comme des pieds. Vous avez déjà certainement croisé la route de ces conducteurs ou conductrices